Salut tout le monde, c'est Mio Oui. et on va continuer. Mario Zanti 3, hyper. Oh, je la vois casser là. Bah c'est pas grave, je suis là pour parler, au pire t'en fais pas. Tu sais que je parle beaucoup. Oui. Ça, il n'y avait pas besoin de le dire. Donc bah, on va s'empresser de continuer l'histoire. Comme dit, je vais pas aller jusqu'au cercle de lumière, hein, je vais faire start. Begin battle. Ça, on a mis un certain temps avant de le remarquer, n'empêche, hein, sur la version PS3. Chut, ils sont pas obligés de le On se savoir, les cassait à gens. aller tout au fond à chaque fois. Donc, pour l'instant, vous voyez qu'on a la bataille de Healing. Et si on veut, on peut refaire The Slaying of the Hydra. Sauf que le nombre d'étoiles de difficulté a nettement augmenté par rapport à ce qu'on a fait juste avant. Donc, on va pas aller le faire, sauf si on veut mourir. N'est-ce pas? Ouais. Donc, deuxième joueur peut déjà appuyer sur start s'il veut. Enfin, plus. Ou c'est start. On va faire la mission en normal. Et si tu veux, tu peux mettre Pacho. Ouais, je te laisse calmer. Voilà. Bah, préparation, il y a... Ah si, on avait reçu des armes, je crois. Bon, ce qu'il y a. Bah, courage plus 1, c'est pour augmenter les dégâts contre les soldats, les officiers ennemis. Donc, pourquoi je regarde l'écran alors que je peux regarder sur le gamepad? Mais bon, pour Hanbei, on va lui laisser. Non, je change pas. Montre les officiers ou adverses ou pas. Donc vous voyez que de notre côté, on est vachement pas beaucoup du tout. Hein. Tiens, je viens de tilter que Bengde n'est pas dans, n'est pas répertorié dedans en fait. Il vient pas tout de suite. Je pensais qu'il était tout de suite dans la bataille en fait. D'accord, bon bah. Et par contre là vous voyez qu'il y a plein de rouges, il y a plein de noms chez les rouges. Hein. Donc on a de quoi faire du chaos. Et on va begin battle. また大した軍勢だね。若を先に行かせてよかったよ。
Donc j'en profite un petit peu pour parler des personnages issus uniquement de la licence Warriors Orochi, comme Kaguya. Il faut savoir qu'ils ont un gameplay chacun issu ou de Dynasty ou de Samurai. Dans le cas de Kaguya, c'est un gameplay Samurai. Je te laisse aller affronter Ninja. Je suis là. C'est bon, j'ai pas besoin de toi. D'accord. Pousse-toi. Tu me gênes. Et à moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez, hein, une attaque Muzu d'un ennemi, ça fait mal. Moi, tu vas pouvoir lancer le Muzu, le Kaiden de Hanpei. Bon, j'en connais un, ça va le faire jubiler d'avoir vu ça, je pense, mais bon. À part son Muzu, au début, elle est très nue, elle est très pourrie sans ses coups. Kuno. Mais c'est pas vrai, arrêtez avec ces chevaux là! Cavalerie de Takeda de Kakai. À noter que quand on prend un autre personnage, en attendant les autres ils récupèrent leur vie. Ça peut être pratique. Surtout quand il y en a deux dans le rouge. C'est vrai qu'on l'avait pas encore précisé ça. Et ils récupèrent aussi leur Muzu. Aïe!
Petite triple attaque. Ah, un peu de ménage. Tu sais à quoi je viens de penser, Yui? On n'a pas encore parlé des 4 types de personnages. C'est-à-dire le power, wonder, technique et vitesse et speed. Ah oui. On vous en parlera. Son attaque surf a loupé. Mais son je sais pas, son espèce de Genkin Dama, il a touché, il a fait mouche. Aïe, ça fait mal les chevaux là. Cavalerie Takeda de Kakai. Paix à son âme. Par contre, je fais un truc qui casse tout. Je vais mettre pause. Je suis dans le rouge avec la mablette, donc je vais aller la charger. Ça, c'est parce qu'il a trop joué. Il a abusé du gamepad. C'était mon cadeau de Noël. Pourtant c'est pas encore Noël hein. Mais avec toi c'est tous les jours Noël. C'est bien que je t'aime. Ah ouais c'est mignon. Quoi? Oh. C'est reparti. J'arrête d'avoir ce mauvais réflexe de regarder la télé. Hein. Oh là 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 là. Plus le rendu sur le gamepad, comme dit, il est très beau et fluide. Nickel quoi. Oh, il est où le pitié là? Aïe là. En plus, il allait mourir. Alors vous noterez que j'ai pas une fois changé de personnage moi en fait. Mais ça va venir
la prochaine bataille en fait. Parce qu'on va pouvoir avoir vraiment 3 persos différents chacun. Ça va être plus fun. Je te laisse ma taille. Ouais, super, merci. Je sais qu'il l'aime pas alors. Il a un gameplay de merde, il se bat avec un pinceau. C'est n'importe quoi. Autant il y a des armes, c'est du n'importe quoi. Je les adore. Autant là, c'est un pinceau, il a une portée de cacahuètes et il est nul. Bon, après, c'est un choix d'armes original, on va dire. Ça sort de l'ordinaire. Après, son gameplay, moyen, mais pas aussi pourri qu'il le dit. Il y a pire. Je suis persuadé que tu penses à Yu-Chan. Je sais pas pourquoi. Non, tu crois. Je crois que c'est le pire de tous. T'as pas intérêt à me laisser. Tu me laisses Madai, alors je te laisse Yu-Chan. Oh mince. Cauchemar. De toute façon, il y a tellement de personnages qu'il n'y a pas assez de taille pour les faire. Avec tous les personnages. Oui, je pense qu'on montrera un peu tout le monde si on peut, non? Quoi? On montrera un peu tous les personnages si on peut, non? Oui, on va essayer, c'est ce qu'on va essayer de faire, quoi. Pour ça, faut pas qu'on gaspille tous nos points d'expérience récupérés en fin de bataille. A noter qu'on en obtient aussi en faisant des duels. On peut obtenir des cristaux, on peut obtenir des points et des gemmes. Si jamais vous êtes à court de points d'expérience et que vous en avez besoin pour monter des persos au niveau 99, quoi. La seule chose que j'apprécie bien avec Madai, c'est son musou. Et il joue au golf, quoi. Il dessine une balle, il joue au golf. Ouais, c'est pas mal, ça. Voilà. Eh, on me course. Je vois qu'on me course. Ah, oh, c'est court. On va me faire des choses. Hop, avec lui, il y a déjà une femme. Et t'as pas intérêt à crever, d'ailleurs, à cette bataille, hein. Si je crève, c'est si je prends Kunoichi, alors ce serait de sa faute. C'est la loose, hein, si tu crèves la bataille avec sa femme. Hein. Maintenant, je vais pas mourir. Ouais, j'espère. Sinon, c'est vidéo directe, mise en direct et. Fail de Yui. Ha! Bon, je dis ça, si ça se trouve, c'est moi qui vais crever encore. Avec ma chance. Non, pas toi, je veux pas. Ah, j'ai même pas tué. Bon, bah, je te laisse le faire. Je pouf, bisous. Même pas besoin. T'as eu de la chance qu'il t'a pas tué avec un museau, hein? Sinon, je te saute à la gorge. Bah, disons que là, le son de la télé est pas très fort. Donc, j'entends pas quand il fait l'attaque musique. Victory! Ouais! Et puis, en plus, vous avez entendu, il y a une voix de... Il y a une voix de con. Il y a une voix de con. Voilà, moi je l'ai dit. Hein. Je supporte pas. Autant le personnage historiquement, il me plaisait bien, mais... Non, là je l'aime pas, voilà. Je suis
Oh là, il est triste que Wang Zhang n'a pas pu être sauvé. これは細い糸を寄すがに大河を渡るがごとくの行為ですが、 かの幼者の出現という現象は世界を乱し時の川に荒波を生んでおります。エニシの意図はその波を貫くこと叶いません。前回の同胞が幼者倒滅の方策を探っておりますれば今は救える方々をお救い申し上げお味方を増やされますよ。 幼者の出現を阻止できないのか。それなら、かぐや様の言う通り、仲間を増やしていくのが良さそうだね。そうすると、小田原城の確保が優先かな。戦略上の拠点にできるし、仲間にできる人もたくさんいそうだし。でも、俺たちが知ってる歴史だと、妖魔に包囲されて陥落しちゃうんだよね。 小田原城の陥落を防ぐには、俺と芝生さんも過去に戻らないとかな。で、芝生さんは上田城、俺は道庫を守る。馬城さんにも動いてもらおう。そうすると敵の目は分散するでしょ。その隙に小田原城をいただきってね。前の歴史だとまともに救援しようとして失敗したんだよね。なんで、 Il faut savoir qu'Ambei, historiquement, était un très grand stratège. Voilà. Je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo de Sengokumuzo 3Z. Donc on a récupéré Madai, Pengde, Kuno. Pardon, j'ai un chat dans la gorge maintenant. Plein de points, des épées. Garde le gamepad, regarde le gamepad. Et des cartes pour le mode duel. Donc la bataille d'Ueda s'est débloquée et la bataille de Dongku. Nouveau wallpaper, peut-être. Et donc, nous allons continuer à voyager dans le temps. Bon, on va sélectionner la team. Tu prends qui alors, toi? Je sais pas, on va ce qui reste. Tu veux que je te le laisse? Zao. On s'est pas servi, donc... Choisis les personnages que tu veux, je verrai ce qui reste. Je vais vous montrer le gameplay super merveilleux de Madai. Tu veux Kuno? Je vais perdre si je la prends. Bon bah je laisse ça et si tu pourras échanger Bacho par Pengde. On triche? Oui sinon on va perdre. Hein. Alors, tac, triangle. Bah c'est quoi? Triangle. Pourquoi je suis par là-bas? Il est très fort, Bacho. Vous voyez, niveau 2. Hein. Je me suis servi un petit peu. J'ai fait monter un niveau. C'est le plus fort, hein, vous voyez. Bref. Niveau 4, c'est suffisant. On verra. Mais oui, c'est suffisant. On va sauvegarder. De toute façon, là, on va aller faire des batailles, on va récupérer plein de persos d'un coup. Ça va faire du bien. Et on va donc à Ueda Castle.
Press start button. Voilà. Normal. À toi de choisir. Alors, on a dit que je prenais un dé. Tu pas chaud. Samouraï. Et c'est parti.小田原城陥落の過去を変えるため、芝生は時を渡った。目指すのは上田城。幼者討伐軍の拠点の一つである。そこは芝生に縁深い方言気が守っていた場所だ。当時芝生は諸葛丹や島左近、長領と共に各地で妖魔軍と戦っていた。そこで 上田城と小田原城、双方の危機を耳にしたのである。彼らは軍を二分、芝生は小田原城へ、諸葛丹らは上田城へ向かった。結果、上田城は陥落、小田原城の救援も失敗したのだった。同じ過ちは繰り返さない。大切なものを取り戻すために 芝生は固く決意していた。頼む諸葛丹、俺を信じてくれ。芝生殿、いきなり何を言い出すかと思えば未来を見てきたと。未曾有の危機にあって、そのようなざれ言を対外にしていただきたい。頼む、俺も上田城に連れて行ってくれ。 ここで頭を下げるとね、これあながち冗談でもなさそうだな。いつもの芝生さんならめんどくせえって言うところだ。言い争う間にも時が失われる。皆で上田城を救援すればよかろう。ああ、すまない、急ごう。 Nous allons porter secours au château d'Ouéda. Ouais, bah, y a rien en fait. On n'a pas reçu d'objet ? Je crois pas. Ah si. Ah si. Donc, augmente incroyablement la défense, mais baisse la défense. L'attaque. Donc, merci. Et réduit les dégâts des officiers. Contre les officiers. Mais bon, franchement, moi je m'en moque. Je suis un warrior ! Moi je les mets juste pour avoir un objet. Non, pas ça. Hein. Bah non, l'attaque c'est mieux. Ouais. Là, j'ai rien reçu de bien. On va rester comme ça. Donc là, vous voyez, on est tout ça, avec pas mal d'officiers jouables. Mais il y a des rouges et il y a des jaunes. À savoir que les rouges et les jaunes, c'est nos adversaires. Voilà. Donc, on a de quoi faire, de nouveau. Et on begin battle. À noter qu'on peut appeler le cheval en fait. J'appuie. Il y a eu un petit coupé, je crois. Mon doigt il a glissé. C'est pas grave. Ça remonte vite. Donc, pourquoi se casser à aller à pied avec des lenteurs ? On peut aller plus vite à cheval. Hein ? Quand tu t'occupes de là, je vais m'occuper de là. Je vais vous montrer la fameuse technique de golf.
boule. Bon, je vais être gentil, je vais le faire passer moins d'un niveau. Et après, je jouerai. Enfin, quoi que, ouais. Je vais peut-être jouer un peu plus avec lui, on verra. Arrêtez de me taper, vous êtes pas gentil. Aïe, ça fait mal. Oh oh. Aïe, c'est pas vrai. Aïe aïe aïe. Voilà. Bon, il est mort où? Ah, moi j'ai l'avantage d'avoir Kunoichi, elle va un peu plus vite que tout le monde. Hein, donc, ça peut toujours aider. Je te dirais de changer parce qu'elle est pas très. Alors je fais ma triple, je vais faire ma triple attaque hein. Ok. Parce qu'il y a plein d'officiers et je suis un peu dans le caca. Voilà. Ça ils sont tous morts et je vais faire un level up. Ce qui est chiant c'est qu'au moment de la fin de la triple attaque, bah moi je peux plus rien faire. Ouais. Technique ninja. Et comment s'occuper de faire le nettoyage de chaque côté du château? Bah, y a plus grand chose à faire en attendant. Ah, je vais descendre. Ah, j'ai tué un officier sans l'avoir vu. C'est bien ça. Show!
Non, ils s'en foutent. J'ai pas vraiment entendu ce que tu as dit en fait. Par qui les classes? J'ai juste dit vivement qu'on l'obtienne, c'est tout. Voilà. Moi comme ça, j'ai pas de soucis. Sinon, juste comme ça, cette bataille est super pour se faire de l'XP facile. Ah, vraiment facile quoi, les niveaux ils montent vite. Et voilà. ビクトール。まだそのような戯言を信じる。おいおい、信じるのか？こんな突拍子もない話を。侮らないで。 Et donc, Zheng Liao, Taichichi, Wang Yuanji, Tsukedan et Sakon Shima sont les nouveaux membres de notre équipe. Ça en fait du monde, hein, tout à coup. Je vais aller trop vite, mais j'ai eu la deuxième arme de Kunoichi. Ça en fait des wallpapers tout à coup. Et je vais aller sauvegarder la partie. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Deux petites batailles sympathiques.
D'ici là, on aura décidé qui on va prendre pour la prochaine bataille. Hein, non? Ouais. Ouais. Parce que maintenant, il y a du choix. Et pour tout vous montrer, ça va être long. Comme je vous l'ai déjà dit. Donc là, je viens de sauvegarder. Et encore une fois, merci. Et merci Koé. Hein. Ça fait plaisir d'avoir le jeu sur Wii U avec des bonus que on n'a pas eu sur la version PS3. Oh pardon. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures folles et follement folles quoi, tout simplement. N'est-ce pas? Oui. Donc à très bientôt et ciao tout le monde. Bye bye.